Nous sommes rentrés dans une politique de prendre soin de nos soignants. C'est vraiment pouvoir développer en eux un sentiment de bien-être au travail, une envie de donner naturellement du bon soin, et tout cela passe par différents projets, dont la mise en place de rails. On a tout d'abord voulu faire une phase test pour voir permettre aux soignants de s'accaparer le système, ne pas lui imposer, mais qu'il puisse de lui-même se rendre compte de l'efficacité de ses rails. En pénibilité, il n'y a pas photo, il y a une différence énorme. Avant, sans le matériel de manutention, et maintenant, c'est un confort total pour nous. On n'a plus besoin d'aller chercher une collègue. On peut, sur certains résidents, poser le harnais seul aussi. Donc on peut faire le transfert seul avec le matériel. L'absentéisme lié à la fatigue et lié aux accidents de travail. On a eu une chute vertigineuse des arrêts liés à tout problème de manutention et de fatigue. Écoutez, bilan très positif. Je pars toujours finalement d'une interrogation lorsqu'il s'agit d'un système nouveau, mais lorsqu'on voit derrière qu'il y a à la fois une satisfaction du résident, satisfaction des familles, mais aussi des équipes, qu'ils ont ce sentiment d'être respectés aujourd'hui dans leurs difficultés quotidiennes, on ne peut que être tenté de développer à très grande échelle sur notre établissement.